Good morning les amis. Bienvenue à cette toute première session de Octodad d'Adias Catch. Donc pour ceux qui s'attendaient à du Kinshi, vous serez légèrement déçus, j'en suis désolé. Mais voilà. Je voulais vraiment montrer ce jeu qui est juste complètement délirant. Alors j'ai pas encore joué, mais du coup ça va être ma première partie, mais pour ce que j'ai pu voir, ça va être assez fort. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Octodad, c'est... Bon, pour commencer, le personnage principal est un poulpe qui a réussi à se faire passer pour un humain. Voilà, c'est complètement what the fuck. Comment personne n'a remarqué que c'était un poulpe? Mais bref. Donc, je vais rien dire de plus parce que ça serait spoiler les niveaux suivants, les niveaux qui arrivent. Et en gros, le truc, ça sera de... Bah, faudra faire des trucs de tous les jours, quoi. Avec le poulpe. Enfin, de tous les jours. On verra bien. Moi, les images que j'ai vues, c'était des trucs cons, comme passer à tondeuse, ce genre de trucs. Enfin, bref. Et comme vous pouvez voir, on peut jouer en coop. Voilà. Alors, en coop, ça veut dire qu'il y a 4 joueurs qui peuvent jouer, qui chacun dirigeront un membre. Donc, voici le poulpe. Il paraît que c'est déjà quand même pas mal tout seul. À 4, si on n'arrive pas à se coordonner, à mon avis, ça doit être assez... Ça doit être assez burlesque. Mais bref. Commençons. Donc le mariage. He's just running late. He's always late. Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed. Waiting for you. Le mec a même pas remarqué que c'était un poulpe. Non, non, lui, tout ce qu'il dit, c'est oh, vous êtes même pas habillé. Alors, on place la souris. Tout est à table, ok. Oh bordel. Voilà. Voilà. Enlever les coussins. Oh bordel. Déplace sa souris, utilise la manette pour lever ou baisser les bras. Ouais. Ok. Voilà. Ouais, c'est trop imprécis la souris, je trouve. Enfin, la molette. On sera la souris, appuie sur barre espace pour passer en mode jambe. C'est parti. Oh bordel. D'accord. Ok, mais... Dis pas comment je suis censé avancer, donc bon. D'accord, j'ai compris. En fait, faut bouger la souris en même temps. Ah, ça, c'est... J'aurais préféré un ZQSD, mais bon. Ok. Ouais, j'ai trouvé une cravate. Youpi. Non, non, lâche cette porte. Mmh.
Ouais, météo de smoking. Oh bordel. C'est pas ce que je cherchais. Ça va, on s'y habitue. Faut juste prendre le coup en fait. Ouais. Bon. Mec le plus maladroit du monde. Sauf c'est un poulpe. Alors ça c'est quoi? Dressing room, c'est par là. Ah. Voilà. Wong. Oh bordel. Je trouve ça génial. Aussi, l'autre raison pour laquelle je fais pas du Kenshi, c'est aussi du fait que si je fais du Kenshi aussi régulièrement que du Mountain Blade, très rapidement je vais devoir arrêter de faire des vidéos parce que les mises à jour rajouteront pas assez vite du nouveau contenu. C'est vrai que la plupart des mises à jour c'est des rectifications de bugs donc ou des détails mineurs donc. Oh bordel. Oh c'est Cthulhu. J'ai un objet en bougeant le bras pour le lancer. D'accord. Bravo. Passer sur les tiens pour lever ou baisser les bras. Non mais c'est quoi ce truc? Les mecs ils mettent des grilles de château fort à l'entrée d'une église quoi, pour un mariage. Ah maintenant c'est... Bon que vous êtes un poulpe. Récupérer la bague, oh bordel. Rassurant mais stressé. Voilà. Merde, je me suis cassé une jambe. Enfin, un paquet de tentacules plutôt. Ouais. Super. De dos, normal. Et attendez, le meilleur arrive encore. Si je peux faire des trucs. Oui.
Dommage que je m'en suis rendu compte seulement sur la fin.